Bonjour tout le monde, durant le mois de décembre, je vais vous proposer plusieurs tutos sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le bonhomme pain d'épices. Voici ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce nail art. Étape essentielle, la pose de ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Donc sur plusieurs de mes doigts, je vais appliquer mon vernis blanc en deux couches. Ensuite, j'applique mon vernis beige. J'en applique qu'une seule couche car c'est un vernis qui est assez opaque. Ensuite, je vais appliquer sur tous mes ongles le vernis flocon de neige. Je trouve qu'il fait très Noël. Ensuite, je vais réaliser mon bonhomme pain d'épices. Donc, j'ai pris un bout assez rond pour pouvoir faire la tête. Ensuite, j'ai pris mon dotting tool pour faire le corps. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un pinceau fin. Moi, je me sens plus à l'aise avec le dotting tool. Donc, je l'ai réalisé de cette façon. Donc ensuite, avec mon pinceau fin, je réalise les contours du bonhomme ainsi que ses ombres. Donc là, j'ai pris un vernis marron foncé. Ensuite, avec mon dotting tool et du vernis blanc, je vais réaliser les effets sucre-glace sur le bonhomme. Ensuite, je vais mettre un peu de top coat pour appliquer des strass. Donc je mets un strass vert et un strass rouge pour habiller le bonhomme. On passe à l'étape finale, la pose du top coat. Donc j'en mets généreusement car il y a des motifs et je n'oublie pas la tranche de l'ongle. J'espère vraiment que ce nail art vous aura plu. Si vous voulez suivre mes prochains tutos de Noël, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche juste à côté et à me suivre via les réseaux sociaux. Bye bye!